السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, qui nous donne la possibilité de nous réunir en ce dimanche, du premier dimanche parmi les quatre ou les cinq dimanches de ce mois de Ramadan, de se réunir donc dans cette masjid Quwwatul Islam de le quartier de Sainte-Clotilde, avec pour but uniquement de parler du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif est de se rappeler des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés en tant que musulmans, en nous ayant accordé la foi, le iman, mais également de parler de ce mois béni, de ce mois de Ramadan, et quelles sont les vertus, quelles sont les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux musulmans durant ce mois. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte dans un hadith: لو يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Le prophète alayhi salatu wa salam nous explique que si seulement l'être humain savait quelles sont les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde durant ce mois, alors on aurait tous souhaité que les 12 mois de l'année fussent Ramadan. Si on savait comment Allah Azza wa Jal accorde des hasanats, des récompenses aux musulmans durant ce mois, on aurait souhaité passer l'intégralité de l'année en état de jeûne pendant le Ramadan. Alors que à l'heure où on est en train de parler, on est parfois fatigué, certains ils ont déjà faim, ils ont soif. C'est-à-dire que c'est clair que le jeûne est un ibadah éprouvant. Le jeûne est un acte d'adoration qui est extrêmement physique, extrêmement éprouvant. Donc on peut se demander comment est-ce qu'un être humain peut souhaiter être dans cet état pendant 360 jours de l'année ou 365 jours de l'année. Mais si, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, si seulement le musulman était conscient, parce que nous ne pouvons être entièrement conscients des récompenses qu'il y a dans le jeûne du Ramadan. On peut savoir certaines choses, parce qu'il y a certains hadiths qui parlent des vertus du jeûne, des récompenses, mais la plupart des récompenses concernant le jeûne du Ramadan ne sont pas énoncées ni dans le Coran, ni dans les hadiths, ni dans les paroles d'Allah Azza wa Jal, ni dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en échange, Allah Ta'ala, c'est comme si Allah Azza wa Jal faisait durer, on pourrait dire entre guillemets, le suspense, et Allah Ta'ala annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudsi, le prophète sallam, de dire aux musulmans que le jeûne c'est un acte d'adoration spéciale qui m'appartient. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Le jeûne m'appartient et c'est uniquement moi qui en rétribue. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'indice sur le genre ou la qualité des rétributions, la quantité des rétributions du saum, du jeûne du Ramadan, dans l'au-delà, le jour des comptes. Allah Ta'ala le garde caché. Et si Allah Ta'ala a promis que c'est lui qui en récompensera personnellement, c'est que réellement la récompense sera énorme. Réellement, ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété, a décidé pour chaque jeûneur musulman, musulmane, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a juste également un indice qui nous fait comprendre que cette récompense, elle va être énorme. Parce qu'à l'aboutissement de cette récompense, il y a, pas d'une manière générale, le paradis comme pour toutes les actions. En plus de ça, il y a une porte spécifique pour les jeûneurs dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans le paradis, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Et cette porte, elle est dédiée aux jeûneurs, musulmans et musulmanes. Donc à travers ces deux indices, on se rend compte, on peut imaginer déjà qu'on connaît qu'Allah Ta'ala est généreux, Allah est clément, Allah y récompense chaque musulman et chaque musulmane beaucoup plus que ce qu'il mérite normalement. Pour toutes les actions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'al-hasanatu bi'ashri amthaliha, que pour chaque bonne action accomplie par un musulman, la récompense au minimum est multipliée par 10. N'importe quelle action que je fais, quelle que soit la période de l'année, au minimum Allah m'en accorde 10 fois
l'équivalent de récompense. Donc on connaît déjà qu'Allah Ta'ala est généreux. On connaît également les récompenses de la sadaqa, les versets que celui qui donne quelque chose, un dirham ou un dinar ou une quelconque somme d'argent dans la sadaqa, on connaît quelles sont les récompenses, que c'est comme un épi à combien de graines, etc., etc. Les récompenses sont multipliées. Mais là, c'est même pas annoncé. Pas qu'on comprenne bien que cette récompense, elle est énorme. Et le fait, comme on a dit, de savoir qu'à l'aboutissement, il y a une porte spéciale dans le paradis pour les jeûneurs qui se sont appliqués de leur jeûne, qui restaient attachés à cet acte d'adoration, on comprend, mes chers frères, mes chères sœurs, que le carême du Ramadan, le jeûne, c'est un autre niveau. En termes de ibadah, c'est quelque chose qui dépasse tout. Il y a un hadith d'Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, de lequel il y a l'histoire, c'est un hadith classique qu'on a l'habitude de raconter, de citer tous les premières décades du Ramadan. Hadith dans lequel, dans les populations avant nous, il y avait trois jeunes qui se dépassaient mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Ils faisaient le maximum pour faire le plus de bonnes actions avec sincérité. Et parmi ces trois jeunes, il y a un qui est décédé dans le chemin d'Allah. Il est mort dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire quelque chose de souhaitable. On pourrait dire que c'est la plus belle des morts. Quelqu'un qui donne sa vie pour Allah. Et une année plus tard, ses deux amis sont morts, l'un après l'autre, mais de mort naturelle. De mort naturelle. Ils ne sont pas morts dans le chemin d'Allah. Alors on pourrait se dire que celui qui est mort dans le chemin d'Allah, assurément, il a un grade supérieur, un grade plus élevé. Mais paradoxalement, on vit en rêve que la personne, les deux personnes qui sont mortes un an après de mort naturelle avaient un grade supérieur à celui qui est mort dans le chemin d'Allah. Alors on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce possible? Alors qu'en temps normal, on sait que quelqu'un qui meurt dans le chemin d'Allah, avant même que son sang ne touche le sol, avant que la personne meure réellement, ses péchés sont déjà effacés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Parmi les raisons qu'il a données, c'est que ces deux personnes qui ont vécu une année en plus, ils ont eu l'opportunité, ils ont eu l'occasion de jeûner un Ramadan en plus que leur camarade qui est décédé. Les deux qui sont morts de mort naturelle, mais une année plus tard, ont eu la possibilité de jeûner un Ramadan en plus que leur camarade qui pourtant est décédé dans le chemin d'Allah. Et les muhaddithines en commentaire, ils expliquent que on comprend, on déduit par ce récit que quelqu'un qui jeûne un Ramadan, c'est une ouverture, c'est un cadeau de la part d'Allah. Et on ne peut pas s'imaginer comment Allah Ta'ala peut nous faire avancer, comment Allah Ta'ala peut nous élever uniquement en répondant présent parmi tous les musulmans qui vont jeûner durant le mois de Ramadan. Mes chers sœurs, en islam, le jeûne, en plus d'être une action qu'Allah Ta'ala nous a accordée, par le biais du verset Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, certes c'est une action qui est propre à notre religion, mais Allah Ta'ala annonce aussi dans ce verset kama kutiba alal ladina min qablikum, que le jeûne vous a été prescrit comme il était prescrit aux communautés avant vous. C'est-à-dire que les gens qui sont venus avant notre communauté, les Ahl Kitab, les Juifs et les Chrétiens, les Yahoud et les Nasara, eux aussi jeûnaient le Ramadan. Eux aussi avaient eu ce cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hassan al-Basri, rahimahullah, il écrit, il dit que « لَقَدْ كُتِبَ الصِّيَامُ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ كَمَا كُتِبَ عَلَيْنَا شَهْرًا كَامِلًا وَأَيَّامًا مَعْدُودَاتَ عَدَدًا مَعْلُومًا » Dans le commentaire d'Ibn Kathir, Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit que le jeûne, comme il nous a été prescrit, a été prescrit également aux communautés avant nous. Un mois complet, des jours précis, fixés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on analyse les commentaires de ce verset, nous voyons que les ulama, ils ont détaillé comment était le jeûne des personnes avant nous. Selon certaines opinions, Nuh alayhi salam, lui, il jeûnait toute l'année. Nuh alayhi salam jeûnait toute l'année. Daoud alayhi salam, ça on connaît, il avait l'habitude de jeûner un jour sur deux. Un jour il jeûnait et un jour il ne jeûnait pas pendant toute l'année. Selon certaines versions, Isa alayhi salam avait l'habitude de jeûner un jour sur trois. Un jour il jeûnait et deux jours il ne jeûnait pas, ou alors parfois trois jours il ne jeûnait pas, mais il faisait plus de deux jeûnes par semaine.
Ibn al-Jawzi, rahimahullah, explique également comment les Yahoud, les Nasara, avec plus de détails, comment ils jeûnaient, et puis comment peu à peu, ils ont perdu le Ramadan. Comment peu à peu, à force de jouer avec la religion, à force d'y apporter des touches personnelles, ils ont malheureusement perdu la valeur de ce jeûne, et finir par perdre même la notion de Ramadan, et perdre les jours du Ramadan. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala prend soin d'expliquer dans ce verset que le jeûne a été prescrit aux autres populations avant. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala tout simplement a prescrit le jeûne du Ramadan à toute l'humanité, à toute personne qui ont dit « La ilaha illallah », qui ont attesté qu'Allah est le Dieu unique. Et si Allah l'a décrété, si Allah a décidé que le jeûne soit obligatoire pour tout le monde, à toutes les époques, on sait bien qu'Allah Ta'ala c'est notre créateur. Allah c'est le créateur de l'univers et entre autres le créateur de l'être humain. Et on sait qu'Allah Ta'ala il est Al-Hakim. Allah Ta'ala est juste, Hakim et Adl. Allah Ta'ala est sage. Allah Ta'ala sait exactement pourquoi il crée telle race de créature et pourquoi il prescrit telle action, pourquoi il interdit telle autre action. Et si Allah Ta'ala a décidé que toutes les personnes qui croient en lui, à toutes les époques, vont devoir observer le saum, observer le jeûne, c'est qu'Allah Ta'ala sait pertinemment qu'est-ce qu'il y a à gagner pour l'être humain dans le jeûne. Allah Ta'ala sait exactement ce qui est bon pour nous, tant sur le plan physique, sur le plan spirituel, mais également pour la stabilité psychologique de l'être humain. Et l'objectif du jeûne est énoncé dans le verset. Si Allah l'a prescrit pour toutes les communautés et à nous aussi, c'est parce qu'Allah Ta'ala attend une chose de toutes les croyants, tous les croyants, toutes les croyantes. C'est la'allakum tattaqun. C'est l'objectif principal, c'est que l'être humain arrive à la piété. C'est jeûner pour arriver, pour développer la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est avoir dans notre cœur la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous. Et qu'Allah ta'ala nous observe. Et qu'Allah ta'ala nous entend. Et que chaque action que je fais, chaque parole que je prononce, chaque pas que je vais faire, Allah ta'ala, il voit et Allah ta'ala est conscient de ce qu'on est en train de faire. La taqwa, c'est développer l'amour et la crainte d'Allah dans notre cœur. C'est arriver à une situation de foi, de spiritualité, une telle situation que, avant d'accomplir chaque bonne action, je ressens la grandeur d'Allah dans mon cœur. Et rien ne peut m'empêcher de faire la bonne action parce que j'ai une envie ultime de me rapprocher d'Allah, de rechercher son contentement, son agrément. Et face au péché, jamais je ne vais sombrer dans l'erreur. Pourquoi ? Parce que dans mon cœur, je suis parfaitement conscient qu'Allah est en train de m'observer, qu'Allah me voit. Et donc, je ne peux pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la taqwa. Celui qui arrive à développer ça dans son cœur, ce musulman assurément restera sur le droit chemin jusqu'à la mort. Parce que celui qui a la taqwa dans son cœur n'abandonnera pas une obligation. Celui qui a la taqwa dans son cœur ne négligera jamais une obligation et n'accomplira donc inshallah jamais un péché parce que cette personne-là a tout compris. Donc le Ramadan a pour but de développer, d'instaurer, d'apprendre la taqwa à chaque musulman. Et si le Ramadan est périodique, ayyam ma'doudat, intervient une fois de l'année pendant un certain nombre de jours, on pourrait dire que le Ramadan a également pour but de réparer la foi de chaque mu'min, de réparer, de restaurer le iman de chaque croyant.